Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4. Aujourd'hui, je vous amène dans un café dans lequel j'aime bien venir pour travailler et manger healthy, puisque c'est un bar à salade où on peut composer soi-même son assiette. Vous allez voir, c'est super bien présenté. Hello, moi c'est Julie, je suis professeure de yoga et entrepreneuse. J'ai décidé de partager avec vous mon quotidien de digital nomade à Bali. Yoga, routine bien-être, expatriation, entrepreneuriat, je vous dévoile les coulisses de tout ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ma série réalité Julie Go With The Flow. Donc je vais vous montrer un petit peu l'endroit. C'est un de mes restaurants préférés parce qu'on peut commander donc des jus qui sont faits à la minute avec des fruits et des légumes frais. Ils font aussi des jamous, des petites boissons qui sont super légères, super fraîches. Étant donné que, comme vous le constatez à Bali, on transpire, il fait chaud. Ici, vous avez le bar à salade, on peut composer soi-même ses assiettes. Vous avez vu toute la variété de produits qu'ils proposent, donc ça, c'est vraiment trop cool. Délicieux repas que l'on peut avoir pour moins de 4 euros de salade. Julie! How are you? Sorry. Come! I didn't know you were being filmed. No worries. How are you? Good. How are you? J'ai rencontré Tessa pendant ma formation en PNL à Ubud. Do you speak French? No, but I know what you're saying right now. Because I can guess. C'est une coach qui aide les gens à trouver leur âme sœur. En fait, tout simplement, elle crée des rencontres, elle aide à trouver boyfriend, girlfriend. Donc c'est super intéressant, bon contact. Ça va? How are you? Bonjour. She's a star. I'm good. How are you? I'm very good. What's up? Yes, I just start to vlog. Oh, as shit. You see? Why am I in this? How is this relevant to what you're filming? But if it's a vlog, it's a vlog. Yes, I'm vlogging about my lifestyle here, the food, the lifestyle, everything, the yoga. She has the best lifestyle and the best mind. Super inspiring to me. Yeah. Thank you so much. Taught me how to take action in the funnest way. Nice. Good to see you. Yeah, good Glad to see you make too. A guest appearance on the French vlog. Yes. I cannot understand, but I feel your soul. I will send you the video. Yeah. Oh You're God. Great. Thank you so much. Finalement, Bali, c'est super petit. On rencontre toujours des gens qu'on connaît, surtout dans des endroits qui sont relativement branchés comme ça. C'est toujours sympa de voir des gens qu'on n'a pas vus depuis quelques semaines, qu'on a rencontrés dans des contextes complètement différents. Parce que Tessa, par exemple, je l'ai rencontrée pendant ma formation en PNL. Et là, je la revois ici à Canggu 3 mois après. Et du coup, on a pu échanger un petit peu sur nos parcours respectifs. Elle m'a expliqué que maintenant, elle s'était mise au yoga, qu'elle avait commencé des exercices de respiration, chose qu'elle ne faisait pas avant, et c'est des choses qu'on s'était dites un peu pendant la formation et je vois qu'elle les a appliquées, donc ça c'est vraiment trop cool. Déjeuner healthy, ça c'est vraiment cool à Bali, on ne perd plus de temps entre guillemets à faire des courses, faire à manger, on peut se faire servir des plats qui sont succulents, qui sont sains, parce qu'on peut vraiment choisir ce qu'on met dans son assiette, on met des aliments de qualité et surtout c'est plus économique que de faire soi-même ses courses parce que j'ai testé faire mes courses au supermarché, cuisiner moi-même, préparer mes plats qui n'étaient pas aussi bons, je suis très objective, hein, pas aussi bons que ceux que je m'apprête à déguster ici. Comparé au budget que je dépense en allant manger au restaurant et en me faisant servir et en gagnant du temps, en fait c'est beaucoup moins cher de vivre comme ça. Ça paraît assez fou quand on est en France parce que c'est absolument l'opposé. Je sais qu'en France, je me permettais peut-être d'aller au restaurant une fois par semaine parce que j'avais pas le budget tout simplement. Bon, comme vous pouvez voir, Bali c'est super vivant, les cafés sont au bord des routes donc forcément il y a du bruit. Je suis vraiment désolée pour ça mais là on peut pas faire autrement. Depuis que je suis à Bali, je ne mange plus que 2 repas par jour. Quand j'étais en France, je faisais petit déjeuner, déjeuner, dîner. C'était ma routine habituelle. Mais depuis que je suis à Bali, je suis passée à 2 repas, donc déjeuner et dîner. À savoir que j'ai avancé mon dîner de 2 heures, puisqu'avant je dînais à 20h. Maintenant je dîne vers 18h, 19h. Parce que maintenant je fais du jeûne intermittent. Le matin, je ne prends plus de petit déjeuner et ça ne me dérange pas du tout parce que je n'ai pas faim, sachant que je fais des bons déjeuners et des bons dîners. Ici, comme vous pouvez voir, c'est copieux.
Par contre, je sais déjà que je ne vais pas tout manger et je ne vais pas me forcer à tout manger. Ici, à Bali, il n'y a aucun problème à demander des doggy bags. Il ne faut absolument pas avoir honte de le faire. Donc l'idée, c'est de se faire plaisir au restaurant en mangeant des aliments sains. Maintenant, si j'arrive pas à finir mon plat, je l'emporterai avec moi. Donc, je le répète souvent, c'est une astuce que j'ai. Avant chaque repas, je mets mon chronomètre en route et je vérifie que, en fait, je ne vais pas plus vite qu'une bouchée par minute. Alors, ça paraît très contraignant, mais absolument pas. En fait, c'est simplement que je garde du coin de l'œil le chronomètre qui défile. Et le fait de ne m'autoriser qu'une bouchée par minute, déjà, premièrement, je mastique. Je prends le temps de manger. Du coup, je salive. Le fait de saliver, je sécrète des enzymes qui vont m'aider à digérer mieux mes aliments. Et troisièmement, je prends plus le temps de manger. Donc, du coup, naturellement, je vais moins manger. Ça, c'est vraiment une technique qui m'a permis, moi, de perdre du poids, parce qu'avant, je faisais quand même 7 ou 8 kilos de plus. Et juste en faisant cette méthode, en mangeant moins sans priver, mais naturellement, simplement en ayant plus conscience, j'ai vraiment réussi à éliminer le poids qui n'était pas nécessaire pour mon corps, ma corpulence et mon activité physique. Je ne dis pas qu'il faut être le plus mince possible pour être heureux ou bien dans sa peau, pas du tout. J'ai juste que l'essentiel, c'est d'être vraiment bien dans son corps et de se sentir au top de sa forme, de son énergie. Grâce à cette méthode, vous pouvez vraiment éliminer le poids qui est en trop naturellement sans vraiment faire d'efforts ou que ça vous coûte de l'énergie. C'est simplement le poids qui est en trop qui va partir. Associé bien évidemment à une pratique physique, du yoga, du sport, c'est toujours sain. Au moins marcher 30 minutes par jour, faire 10 minutes d'étirement le matin, c'est vraiment la routine de base. Prendre son temps pour manger, mâcher, mastiquer, c'est souvent la base du bien-être. Si tu peux me donner un conseil alimentaire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois manger? Eh bien, ils sont surpris les gens quand je réponds. Comment tu manges? Est-ce que tu mâches? Ah non, pas du tout. Ok, ben, on va commencer par là parce que ouais, c'est important ce que tu as dans ton assiette. Mais si tu ne mâches pas, tu avales, tu envoies à ton estomac toute cette nourriture non mâchée. Ton estomac n'a pas de dents, il doit faire un travail conséquent. De une, tu manges plus que ce que tu n'as besoin. De deux, tu te sens lourd et fatigué puisque ton estomac doit faire tout le travail pour toi que tu n'as pas fait. Je pense qu'on aime tous manger, enfin il y a beaucoup de gens qui aiment manger. C'est un moment de plaisir de se nourrir. Donc pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas prendre le temps de déguster de chaque aliment? On a vraiment de la chance d'avoir toute cette nourriture à notre portée. Parce que j'ai fait un jeûne, j'ai fait un fasting, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Je peux vous dire que ne pas manger pendant 5 jours, ça vous fait réaliser l'importance et la saveur de la nourriture. Donc, prenez le temps d'apprécier vos aliments. C'est tout aussi important que ce que vous mettez dans votre assiette. Je vous glisse une autre astuce dans cette vidéo. C'est de commencer votre repas par un jus de légumes verts. Ça va permettre de remplir bien l'estomac, de faire le plein de vitamines, de minéraux, sans les fibres. Donc pareil, c'est beaucoup plus digeste. C'est un peu comme la routine du matin avec le vinaigre de cidre. Ça va préparer le terrain. D'une part, vous apportez énormément de vitamines, alcalinisez encore une fois votre organisme, vous amenez plus rapidement au sentiment de satiété. Et je termine cette vidéo avec un dernier conseil, surtout ne prenez plus de café après le repas. Parce que vous aurez beau faire tous les efforts du monde, ça ruine tout en fait. Un café après le repas, ça coupe la digestion. Ça a l'effet inverse que ce que vous recherchez, c'est-à-dire un coup de boost. Parce que ça coupe la digestion. Et ça acidifie tout le terrain. Donc, si vous aimez le café et que vous avez envie d'un petit coup de boost, il n'y a pas de souci, vous pouvez en boire, mais simplement attendez au moins 2 heures après le repas, que votre repas soit digéré. Ou alors, vous le buvez avant. Donc voilà, si vous appliquez déjà ces conseils qui ne vous coûtent rien et qui sont applicables pour tout le monde, je dis bien, même si vous travaillez et que vous avez des petites pauses déjeuner, il faut vraiment prendre le temps de mâcher. Il n'y a personne qui va vous empêcher de prendre le temps de mâcher et pas de café après le repas. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous aurez appris des choses que vous pourrez au moins appliquer. Je suis certaine que ça vous permettra de vous sentir mieux dans votre peau si vous vraiment vous prenez ces conseils à la lettre. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez encore plus de conseils inédits et de partage d'expériences, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et téléchargez mon application mobile Happy & Good 100% gratuite.
Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!